VOD, VOD, VOD. Je viens de perdre toutes mes ruines, mais c'est pas grave, on va les récupérer. Sacré toi. Sacré loi. Je croyais que t'avais écrit sacré toi, va. Bah, je trouvais ça drôle. J'allais dire c'est toi, sacré toi, ouais. Va falloir que je fasse gaffe quand même. Parce que il y a les vierges de Froaer. Elles vont me buter. Peut-être. Comment je suis descendue? Mais comment je suis descendue? Attendez. J'ai un petit souci de logique là. Comment j'ai fait? Ah mais il y avait une échelle. Échelle. Sacré toi, oui. Merci pour cette loi étrange. Mais je t'en prie. YOLO. Je peux passer sans me faire repérer, non? Ouais, par ces deux-là, je peux. Et je vais le faire. Je le ferai. Mon canasson. Mais il lui restait qu'un pouillon de vie en plus. C'est juste que j'étais pas prête. Arrête! Et là, mon cheval va disparaître. Voilà. Et là du coup, je me suis dit, ta gueule! Dégage! Elle est où la dévoreuse? Je veux pas grand chose. Hein. Voilà, c'est tout. Tu vois quand je suis pas pris par surprise, c'est mieux hein. Couteau de boucher sacré, oui, bah, il est très sacré ton couteau, oui. Oui bien sûr. Ouais. Un peu facile, hein, vu la tronche, il est zéro sacré. Hein. Ça, sincèrement, c'est pour ceux qui pratiquent la foi. Mais moi, je pratique l'intel. Sorry, les gars. Vas-y, mon camp. Okidoki. Y'a pas un petit feu ici? Moi, je le sens bien, un petit... Enfin, un petit feu. Petit campement, quoi. Petit checkpoint. There is no checkpoint. Bon. Par contre, vraiment, les corbacs, ils vont dans le sol, hein. Et l'âme de pierre. Bon, bah voilà. C'est bien... Bah, c'est ce que j'avais bien cru comprendre. Hein. C'est, voilà, dans le sol. C'est que c'est pas par ici que je peux aller de l'autre côté. Du pont. On va retrouver autre chose. Vierge de, fer à tout faire. Pardon, je sors. Ah mais il est bientôt 1h du matin, voilà. On peut pas toujours être au top, je comprends aussi. Mais fais attention quand même. Attention quand même. Faut que j'arrête avec ce sort parce qu'il est pas puissant pour elle. Alors, même ouvert, c'est pas mal. Arrête, arrête, arrête. Dégage le chien, je te déteste. Alors les petits mobs qui viennent s'incruster dans un combat avec un truc énorme, je vous enfile. Voilà. Ah! Une mana en plus, je peux même pas lui envoyer un truc. Mais tu caches! Ah! C'est le chien qui m'a niqué la gueule! Elle va être chaude. Commence à être tiède quand même. Hein. J'arrive au bon moment. Wesh, bien ou bien, t'as vu? Ah, non mais sérieux, je me fais latter par un truc. C'est le petit chien, là. Team Vox rouge, tapant du poing. Je tape sur ma chaise parce que ça fait moins de bruit. Sinon, je taperais bien sur le bureau. Ouais, il pourrit son combat, mais c'est ça? Oh non, j'ai aggro une vierge de fer. Oh mes trucs. Vite, 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 vite
Ok. Non, pas ça. Sérieux. Voilà, c'est bon? On va fermer maintenant? Je vais faire quand même les deux vierges de fer pour avoir les runes qui manquent. Ah, je suis un peu loin, je suis un peu loin. Encore 20 minutes et je vais dodo. Reprise de l'école pour ma fille. Ah! Bon, au moins elle va bien. Je sais pas où aller, hein! Où ça tourne? Trop saoulante! Alors. Je vais du coup essayer avec mon petit arc. Voilà. Bon. Ça va être pile. Ouais, je me doutais que ça allait être tout bidon. Ouais, c'est comme ça que je l'ai tué quand j'avais peur. Si j'ai toute ma mana, je m'en foutais. Au moins, je me faisais pas chier quoi. Pas de loot, hein? Non, pas de loot, hein? Y'a pas de loot en fait. Y'a une petite fille qui se promène en déambulateur chez moi. Quand j'achète ma voix dans leur panier. J'avoue que j'avais pas cette image en tête. Mais je trouve ça rigolo. Ah! J'ai tombé quoi? J'avais des doutes. Non, je me tire, c'est bon. C'est bon, j'en ai marre en fait. J'en ai trop marre. Faut que je descende moi, mais je sais pas par où descendre. Allez les gars, vous pouvez le faire, défoncez-la. Oh, vous faites laminer. Ah merde, du coup c'est moi qui tape. Oh ça va, j'essaie de vous aider. Ça va quoi. Ah, il y en a un qui est mort. Et comment je descends? Ça m'énerve! Par où là? Par ici? C'est vrai que c'est là. Il n'y a vraiment pas d'autre moyen. Parce que flemme un peu. Hein? Un peu flemme quand même. On voit bien un passage un peu chelou moi. Mais on va faire ça. Je sais juste pour t'avaler et te faire mourir aussi. Donc comment les vieilles chez toi expliquent? Monter niveau, il me faut combien? Il me faut encore 2000. Ah, faut que je mette des trucs dans mon coffre. Je vais le faire. Il est ok normalement. Encore un petit point d'intel. Parce qu'il m'en faut quand même. En fait c'est plutôt pour mon équipement, pour mon bâton, parce que là c'est grâce à mon équipement que je peux l'utiliser, mais si je veux changer un jour, bah j'aimerais bien que ce soit pas trop compliqué. Alors, est-ce qu'il y a sur le côté des passages possibles? En frais peut-être. Je vais rater de l'autre côté là, sur le... en passant le pont. Quoi ici déjà? Là il y a des arbres. Là ça va, je meurs pas là. On a vraiment besoin de tenter avec les... Là je meurs pas. Moi je pense que là je meurs pas. Je pense... Franchement j'aurais même pas besoin normalement d'utiliser ça. Ah, je me doutais que c'était pas une super idée. Et du coup, je préférais ne pas sauter, vous voyez. Ah, par contre, là, je peux. Là, je meurs pas, là.
Oh, j'ai même pas envie d'essayer tellement je meurs pas là. Là, c'est trop sûr que je meurs pas. Tu meurs 100%. Croyez pas assez en moi. Là, je meurs pas. Là, c'est sûr, je meurs pas. Et c'est pour ça que je me doutais que c'était pas une bonne idée. Là, je meurs pas là. Là, c'est 1000 fois sûr que je meurs pas. Un peu moins confiance en estimation à force. Là, c'est 1 milliard de fois sûr que je meurs pas là. Non, mais non, je meurs pas. Attendez, je vais... Non, mais ça, c'était pas une bonne idée. Je m'en doutais. Mais du coup, en vrai, je vais sauter plutôt sur le côté là. Après, à la hauteur de mon cheval aussi. Oui, je meurs pas. Avec, j'ai pas fait exprès. Je savais que j'allais mourir. C'est juste que malheureusement, en tombant du cheval, il y a des petits lags, des petits problèmes d'input. Et hop, on tombe. Ah, je meurs pas là. C'est approprié. C'est approprié. Je suis raté. Je rate tout. J'ai rien qui... Bordel! Sérieux quoi! Mais je suis sûre que j'étais tombée bien plus haut, j'y pepe! Ah! Je sais pas. De toute façon, c'est que quelques centaines de runes, hein, on s'en fout. Ah, mais par contre, regardez, j'avais pas vu! Regardez ça, n'est-ce pas fantastique? Enfin, on peut descendre. Et voilà, tout en douceur. Hein. C'est typo sympa. Oui, d'accord, tout en douceur, mais en vrai, ça m'arrange pas parce que je peux pas passer de l'autre côté. Si, si, je peux. Tout va bien. Je savais. Ok. C'est bon, j'ai tiré. Vous avez vu? Avec, je mourrais. Là, je suis pas morte. Quelque part, mon là je meurs pas pouvait signifier quand je ferai ça tout à l'heure. Voilà. Si je fais ça tout à l'heure, il y aura pas mort quoi. Il y aura pas mort de moi. Il y a une fleur là-bas. On s'en fout. Alors, c'est quoi cette zone? Ah, il y a des limaces. Désolé, les limaces. Moi j'aime bien les limaces. Partie de la seule personne au monde à ne pas trouver ça affreux. Bon, celles-là, elles ont vraiment une sale gueule, mais bon. Non, pas de lag! Arrêtez! Arrêtez les lags, arrêtez! C'est pas sympa, c'est pas facile, c'est pas sympa. Le monde est difficile déjà comme ça. Y'a pas besoin de laguer, s'il vous plaît. Le monde, il est déjà dur, c'est pas sympa. Dernier album de trio en vente. Le monde, il est dur et il est pas sympa. Et regardez, pourquoi ça monte? Regardez, ça monte! Ça s'arrête plus. Faut que j'ai un truc contre le poison. Mais ça continue d'augmenter, stop! Elle roule dans le poison. Mais c'est pas facile! Essaye de pas le faire. Le jeu t'en mettait une, un drôle, tu pourras ni descendre ni remonter, merci, oui. Mais bon, au pire, tu te TP, tu vois. Si t'as 50 000 runes, tu vas les récupérer. Ou 200 000, selon ton niveau, quoi. Mais... Ou plus encore. Mais oui, mais là, j'ai roulé parce que panique. Parce que le monde, il est dur, il est pas sympa. Le monde, il est dur, il est pas sympa. Tu n'avais pas le dernier album de trio? Le monde, il est dur, il est pas sympa. Parce que c'est que mon délire. Ok! Ah, je peux aller là. Non, arrête le poison. Arrête le poison, arrête-toi. Le sort anti-poison? Mais j'ai pas de sort anti-poison, mec. Ou si, peut-être. Je sais pas. Voilà, d'autres questions? Tu veux qu'on discute?
Tu as Bastille-Ombre. Bastille-Ombre. Celui-là? Bah peut-être pas. Alors, équipement. De toute façon, on n'a plus besoin, je suis déjà plus dans le poison. Ah non, sort anti-poison. Inventaire. Bon, ceux-là, je les connais, c'est pas ceux-là. Non, c'est de la lumière. Ça, c'est quoi? Ah, la démence. Ça, c'est bien. En casier visible. Non, en fait, je sais pas, non. Non, non, je l'ai pas. Mais c'est une incantation, je crois, qui permet de faire le truc du poison. Mais par contre, j'ai un truc contre la démence. Et ça, je savais pas. Je crois que je l'ai eu aujourd'hui, non? Je crois, hein. Peut-être pas. Mais après, la démence... Ah si, j'ai toujours pas tué l'œil de Sauron, ça m'aidera pour ça. La démence, c'est bien. C'est génial. Mais après, les trucs comme ça... Et là, j'ai peut-être, hein, mais... Quoi, j'ai que ça en incantation? Sérieux? Je crois que j'en avais beaucoup plus. J'en ai pas acheté aussi. Les incantations, oui, bah je l'ai pas en tout cas. Mais les incantations, de toute façon, je peux pas les faire parce qu'il faut de la foi. Et j'en ai zéro, moi. Enfin, si j'en ai 7. Je peux imprégner une lame de poison, par contre. J'ai un truc qui soigne les PV. Je pourrais en mettre un tout petit peu des points de foi, mais t'as rien acheté. Et bah non, mais j'ai pas un build de foi, moi, j'ai un build d'intel. Je vais pas commencer à répartir mes trucs. Déjà, rien que pour mon bâton, il faut 52 d'intel. Alors j'arrive parce que j'ai un équipement approprié, mais je peux pas me permettre d'avoir des points à la fois dans la foi, sachant que j'ai dû en mettre un petit peu en force, un petit peu en dex pour mon équipement, et que j'ai aussi dû mettre forcément en dû esprit et vie. Si j'en mets dans la foi en plus, ça y est. C'est compliqué. Je vais retourner en piche. Bisous, Van 10. Bonne nuit. Non, justement, pas les incantations de soutien. Bah, en tout cas, toutes celles que j'ai vues, j'avais une croix dessus avec... ça demandait de la foi. Hein. Celle contre le poisson ne demande que 10 de foi et j'avais 9. Bah, moi, je suis obligée de mettre 4 niveaux en foi. Hein. J'avoue, ça me saoule un peu, surtout pour le peu de foi où j'en ai besoin. Pour le moment. Après, si je tombe sur... si cette zone devient trop insupportable, pourquoi pas, hein. Mais jusqu'à présent, c'est d'autres trucs qui m'ont plus saoulé que le poison, j'avoue. Typiquement, le truc écarlate, là. La corruption écarlate. Avec la zone, c'est bien plus pire. On verra ici, hein, j'avoue. Mais jusqu'à présent, j'avais pas besoin. J'aurais bien aimé un truc aussi pour... comment ça s'appelle? Ah, je sais plus. Un truc qui tue instantanément, là. Rien contre la malmort, moi. Ouais, moi non plus. La malmort, bon bah voilà, je trouve que c'est quand même... Bon, jusqu'à présent ça allait, mais c'est quand même assez chiant à gérer quand tu tombes sur... sur un groupe de mobs qui a que ça. Corinne, c'est Corinne. Une table ronde que tu croises ensuite. Corinne. Arrête avec ta cloche. Mais arrête avec ta cloche, j'ai dû. Puis je crois que les boulettes pour faire pour se protéger du poison, elles sont moins chiantes à faire que d'autres. Au moment, ça va, ça se gère. Pour le moment, encore une fois.
Alors, je vais déjà monter. Ok. J'essaie contre le poisson, contre la putréfaction. Ah, c'est la putréfaction écarlate, pas la corruption. Oui, ouais, ça c'est bien chiant. Non. Il joue, ok. Ah, salut. Elle m'a regardé quelques secondes. Je pense qu'elle était dans ses pensées, elle a pas réalisé qu'ils étaient une ennemie. Ça se trouve, on aurait pu discuter, quoi. Et du coup, on discutera pas, quoi. Je pense que si je vais là-haut, j'accède au reste du palais, du château, du truc. Oh, là-bas, il y a un feu. Non, il y a un loot par contre. Ok. Mais du coup, je vais déjà aller là. Ah ouais. Ok. Ok. Eux par contre, c'est de la malmort. Merci beaucoup, Vankar. Ah, je me suis trompée. Merci, bienvenue à toi, c'est très gentil. C'est qui ça? C'est qui? Pourquoi quelqu'un se mêle à mon fight? Oh, elle me fout le feu. J'ai rien, moi. Arrête. C'est quoi, ça? Ah, vas-y, moi aussi, je sais me battre de manière lâche. C'est même mon gameplay préféré, alors. Hein, va pas gagner à ce niveau-là. Merci! Y a un bon choix! Oui! Tout à fait! Ah, elle a bougé. Je suis sûre qu'elle a bougé. Non, c'est bon, là, qu'elle a bougé. Et bienvenue! Salut, Falsy. Falsy. C'est ça? Ou Falsia? Et je pense que c'est plutôt si. T'étais aussi sur Elden Ring? Merci, bienvenue à vous! Très gentil. Je vais lâcher mon petit follow quand même, c'est un minimum. Ah, j'arrive pas. Voilà. Voilà. Elden Ring, tout à fait. Elden Chronicle, tu fais aussi. Que j'ai un peu vu en live, mais que je connais pas du tout. Du tout, du tout. Ah oui, pardon, j'ai mal lu. Ça a dû... Fawizi. Fawizi. Fawizia. 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 À l'anglaise. Ah bah... si alors. On dit pas Zéa à l'anglaise, non? Ah non, mais c'est toi qui... D'accord, c'est Varlord qui me dit exprès des conneries. Ok. Et salut! Désolé. Ouais, pour avoir un follow en retour, mais c'est gentil. Bon, je sais pas, au moins ça me permet de... En fait, le truc, c'est que... je trouve que c'est bien d'aller voir la personne qui te raid. Et si je follow pas, je saurais pas retrouver la personne. Et du coup, bah, c'est bien d'essayer de soutenir la personne qui t'a soutenu aussi. D'envoyer des gens si tu peux un jour et tout. Et comme ça, bah voilà, ça me permet de venir vous voir après quand vous streamez et que moi je stream pas. Voilà, voilà. Ah, il est tout... Il m'a rendu verte. Oh, c'est stylé. Eh, hey, j'aime bien en vrai en vert. Cimer. Je vais pas le tuer. Il m'a rendu verte. Ah ouais, mais sûr, il m'envoie de la malmort. Il m'envoie des frises aussi. Ah. Ah. J'ai raté. Ah bah oui, j'ai plus de mana. Je me fais gaffe. Attends, je suis un mec sympa en réalité. Non, je pense que tu es horrible. Je plaisante, bien sûr. Elle m'avait bien appelé au début. Elle m'avait bien appelé au début. Désolé. Falsy. Ok. Il t'appelait Fofo.
avancer plus vite. J'ai bien raté. Il m'a rendu toute verte, c'est normal, genre je le serai toujours. Il est gentil par la bite, celui-là. Merci pour l'info, c'est gentil. Ah, je vois rien. Arrête les pierres de forge, je suis ravie de te connaître. Oh, mais comment... Mais il a mal mort dans ma gueule. Quoi? Y'a quoi? Ok. Voilà. On ne sait pas si c'est un L minuscule ou un I majuscule. Oui, mais c'est ça! La subtilité du piège. Vous êtes... des génies du crime. J'ai follow, j'ai eu un put et un beat. Meilleure chaîne ever. Mais tu peux aussi avoir des couilles. Il est sorti par la bite, celui-là. Effectivement, c'est difficile d'associer tout cet univers, mais j'y arrive à peu près. Fofolle, ça m'étonnerait qu'il aime qu'on l'appelle Fofolle. Même si je trouve ça fantastique. Mais toi JPP. Pourquoi je m'obstine à aller ici? C'est un super endroit. T'entends, la Black Tire son dent reste ma préférée. Je comprends. C'est un peu le principe, on aime les paix. Non mais y a pas que ça. Ça fait partie des trucs qui nous font rire. Mais il y a d'autres choses aussi. J'aime aussi les longues conversations, les livres de philosophie. Francky Vincent. On sait aussi rire d'autres choses. Le timing pouvait pas être aussi parfait. Le timing est juste incroyable. Merci pour le... Merci pour le sub. Juste... Juste que c'est incroyable. C'est magnifique. Merci beaucoup Vanka. Pour le labo cadeau. Ah, je regarde même plus le jeu. Arrêtez! C'est moi! C'est moi finir de m'humilier tranquille! C'est Rator et autres Xari, c'est de la merde. Ici c'est le paix, on aime ça! Ici c'est l'humour gras! À gorge déployée. Merci beaucoup! Non, non, non! Ça m'a fait trop mal. Je vais bouder un peu. Oh là là. Vu comme l'épée, ça marchera toujours. Il y a le mot zizi aussi. Je sais pas pourquoi. J'ai raté. Pourquoi mon sort passe à travers alors que j'ai quand même une épée tangible? Tiens. Plus ça va faire un sub à un mec qu'on connaît même pas. Oui, le pseudo me dit quelque chose, mais effectivement, je crois que la personne passait qu'une fois au pire. Au lieu de prendre... de le prendre pour toi. Juste, il était trop con, franchement. Mais oui, non, mais c'est vrai que Twitch, ça c'est très drôle parce qu'il aime bien sub des gens qui ne sont jamais venus sur ma chaîne. Alors que dans mon chat, il y a des gens qui ne sont pas sub. Et qui sont là depuis très longtemps, tout ça. Mais Twitch adore faire ça. Et du coup, des fois, les gens qui me viennent, ils me disent, bah ouais, on m'a offert un sub, je connais pas, mais du coup, je passe pour voir. Sauf que des... Voilà, souvent la personne, c'est pas du tout le... c'est pas du tout son contenu, quoi. C'est au pif. J'aime pas me sum. Pourquoi faire plaisir à une personne quand on peut faire plaisir à deux? C'est tellement beau ce que tu dis. C'est tellement en adéquation avec mon alerte sub. La beauté pure. C'est intemporel comme humour. C'est drôle à l'époque. Homo erectus. Ça sera drôle quand on sera sur Mars. Oui, alors je crois... Je crois que... C'était l'une... La blague la plus vieille retrouvée écrite. Je crois que ça parle de paix.
J'avais vu un truc de Nota Bene qui parlait de ça et il y a plusieurs sujets qui reviennent, mais je crois vraiment que l'une des plus vieilles blagues du monde, c'est sur l'épée. Je sais plus. Je me rappelle plus du contexte, mais vraiment. Je sais pas si c'était accurate, mais putain, c'est fou. Mais oui, alors faudrait que j'envoie la vidéo de Nota Bene. Parce que je suis loin d'être sûre que c'est vraiment celle-là la plus vieille. Mais c'est une des plus vieilles, en tout cas. Qui a été retrouvée. Au moins une. Et je me demande si c'était pas le sujet le plus... C'est le sujet le plus ancestralement drôle. La paix nous rassemble. Effectivement. Peu importe l'époque. C'est beau, quand même. En fait, tu t'y as passé là ou pas? Non, je crois pas. J'y vais. Ça va, je meurs pas, là. Mais si, je suis déjà passée là, enfin! Enfin, merde! Mais je suis pas concentrée, là! Bizarrement. Pourtant, il y a tout qui est réuni pour que je sois très focus. Je comprends pas. Ah non, c'est là-bas qu'il faut que j'aille. On avait une info, attends, genre le premier graffiti à Pompéi. Un mec disait... Arthur, c'est une petite bite. C'était peut-être ça, ouais. Oui, on avait eu ça. Mais par contre, je me rappelle pas du tout de la blague. Désolé, mais l'alerte m'a tué. Merci beaucoup. Merci pour la beau offert à Yamo. Pareil, je crois que c'est une personne qui n'est pas venue. Ou alors une seule fois. Merci beaucoup, c'est adorable. Indique, mais j'ai plus les détails, c'est possible. En même temps, les Grecs, leurs blagues, bref, les blagues de pipi caca. C'est même pas une vanne. Comment ça? Je veux dire, il y a beaucoup de vannes connues grecques qui parlent de ça. C'est incroyable alors. On a vraiment des... Vraiment des sujets universels. Universaux, tiens, je vais même dire. J'ai besoin de les entendre. Pokémon plus K. Plus P, Pokémon. C'est Pokéfart en vrai. N'hésitez pas à taper ça. À chaque fois, j'oublie le nom du gars. Mais vous avez... moi, j'ai du coup une ressource... une source au puiser. Mes alertes. Qui est inépuisable. Parce que le gars fait plein de vidéos de paix avec des chansons, des trucs comme ça. Il fait ça, avec ses mains. Et il est trop fort. Mais j'oublie tout le temps son pseudo. Mais vous tapez Pokéfart sur YouTube et vous tombez dessus. Sur pas mal de versions. J'en ai aussi une autre pour quand quelqu'un offre plus de... Je sais plus, 3 subs je crois que j'ai mis, je sais plus. Hein. Et j'en mettrai sûrement une autre pour les subgifts 1x1 ou les resubs de longue date. Histoire de, voilà, de couvrir un petit peu tout ce champ lexical de l'humour, quoi. Je crois que je suis crée. Meilleure alerte que j'ai jamais entendue ever. Ah oh, merci. C'est ça qu'on me le dit ça. J'y suis pour rien, mais ça me fait plaisir quand même. Les vieilles œuvres grecques. Le mot qu'on a retrouvé, oui, beaucoup de vannes. C'est pipi, caca et cul. Le cul. Oui, le cul, oui. Ça, je sais que ça fait partie aussi des vieilles vannes retrouvées. Ouais, évidemment. Il a fait Sparte. Tu vis le paix, tu incarnes. Quoi? Oh la vache! Oh non, 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 fais chier. Non, mais je les tue déjà au pire. Au pire, je les tue déjà. Ah, mais ils m'ont gerbé dessus et puis ils se barrent. Mais pas dans Sea of Thieves, hein. Mais stop! Il meurt pas! Genre, je les tape et c'est tout! Et puis, ça leur fait rien là de s'ouvrir les entrailles! Et de se les vider sur moi littéralement! Bon, d'accord, c'est un peu. Voilà, bon, c'est pas très éloigné des sujets dont on parlait, mais c'est pas la question! Un sup! Je vais la faire en mode lâche parce que j'ai la flemme. Ah, j'ai plus beaucoup de mana. Oh.
Je vais la faire en mode épée parce que ça lui fait rien surtout. Non ! Non ! Non ! Je vais retourner à mon mode lâche, ça me va bien. Minecart, vipé, pense-père, ripé. Salut Vlamar, ok. Ouais, c'est pas mon genre. Hein. La crédibilité moins 1000. Stop, c'est bon, c'est fini, hein. Les autres sont mortes. En plus, il n'y a rien ici. J'étais sûre que dans un petit recoin, il y aurait quelque chose, mais rien du tout. Mais non, mais il loot. Pierre de forge 5. Ça... Bref, ça discute de paix. Comment avoir une meilleure première impression? Ouais, mais c'est... J'y suis pour rien, finalement. C'est vos alertes, hein. Ah, mais il y a du loot, là! J'avais pas vu! I didn't saw the loot. Non, mais je vous tue, c'est bon. J'ai pas de mana! J'ai pas de mana. Non, mais j'ai pas de mana. Ça ne m'intéresse pas! Je vais décéder. Vite, allez. Je me suis mis 5 minutes à me relever aussi. Dans ma tête, c'était raid et go dodo, car demain, je me lève tôt. Là, j'y suis encore 6 à 6 heures du matin. Je pars pas d'ici. J'aime bien après l'excuse. T'as pas beaucoup dormi cette nuit. Ah non, pourquoi? L'histoire. J'ai rencontré la paix. Pardon. Allez. La zone a l'air bien hostile. Mais non, mais c'est pas... Le problème, c'est pas... C'est pas ça. Mais merde, j'ai pris le mauvais truc. Non, le problème, c'est que j'ai pas de campement autour. Ça, c'est un problème, tu comprends? Est-ce que tu comprends? Prends l'iniquité. Vous êtes paix? Enfin, prêt? Je dors. Allez dans ton bureau pour y dormir. Ça veut pas dire que tu seras à l'heure demain, c'est ça le truc. C'est moi, pour ma part, ce serait quand même pas garant d'être à l'heure. D'aller carrément dormir au taf. En télétravail, j'arrivais à être à la bourre. Alors que j'étais littéralement au travail, quoi, du coup. Donc je... Mais je suis obligée de me taper tout ce chemin. C'est beaucoup trop... Oh. Je vais là. Qu'est-ce que je fais, moi? Il était là, ce géant? Ah, ils sont... En fait, quand ils sont pas attachés, ils sont quand même leur truc fixé à eux, ils attendent. Trop triste. Je peux pas vous libérer? Franchement, il y aura peut-être une petite interaction à faire avec eux, non? Eh, je connais cet endroit? Oh, oui, je connais! Oui, 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 oui! Bon, on va attendre un peu. On va attendre un peu, j'ai dit, je te tuerai pas. Me fais pas mentir. Dans le cucu! Dans les coucouilles! Non, j'ai raté mon coucouille! In de couille!
Moi, je suis toujours avec des horaires chelous. Au taf ? Ouais, je bouge, mais je repasserai. Je pense que c'est sympa ici. Bonne nuit. Salut, Folsy ! C'est toujours bien ça, hein, le pseudo. On est d'accord. Merci beaucoup ! Merci beaucoup pour ceux qui... Voilà, d'être restés. Pour ceux qui restent un peu, c'est vraiment adorable. Surtout à cette heure-là. Vraiment, je comprends qu'on ait un peu autre chose à foutre à cette heure-là. D'écouter mes tergiversations à base de bruitage de paix. Donc, merci. C'est très doux. Je suis étonnée que t'es passé entre putréfaction et poison. Elle fait les deux. Mais elle demande des PC. Hein. Elle demande plus de PC que la poison seule. Envy t'en avait parlé. Oui, mais Envy, il parle tout le temps. Au bout d'un moment, je ne suis pas surhumaine. Hein. J'ai des limites. On les a tous et toutes. J'ai commencé à 4h pour faire une partie de ma nuit à la pause de midi. Jusqu'à la pause de midi, c'est ça? Mais c'est énorme! Comment tu veux que je parte d'ici, Lox? Laisse-moi partir! Free fun car! Tu bosses dans quoi ou bossais? Je suis en dernière année de master. Et du coup, pour mon stage, j'ai en partie télétravaillé. Pour mes cours aussi. Mais là, c'est mon dernier mois, on va dire. Et sinon, le week-end, je suis en animalerie. Parce qu'il faut bien financer le stage non rémunéré, hein. Donc il était très cool, hein, mais il était très gratuit aussi. Essayer d'être récupéré, ça te sauve la vie. Mais est-ce que j'ai besoin qu'on me sauve au bout d'un moment? J'ai l'air de galérer, là? Hein? Alors arrête! Master de quoi? De communication. Ah! Donc oui. Et franchement, depuis le stage, c'est très très dur de se remettre dans le bain des cours. Je m'étais très bien adaptée, très très bien adaptée. À mon taf. C'était même très cool. Et j'avoue que là, ces derniers mois me semblent beaucoup trop longs. Mais le stream, par contre, du coup, j'ai plus de temps pour stream, forcément. Et ça, c'est cool, et j'en profite tant que je peux. Parce que forcément, ça ne durera pas toujours. Je voudrais un campement. Je vais voir là-bas s'il n'y en a pas. Avant de retourner dedans. De toute façon, j'avais quoi, 10 000, 12 000 runes, on s'en fout un peu. Mais je peux pas respawn à chaque fois à chaque fois dans un autre pays, quoi. Ça va commencer à être assez long. Oh, c'est stylé ici. Oh, waouh, des frises. C'est magnifique. Non, mais j'avais autre chose à faire, là. C'est qui, toi? Arrête. Oh, je l'invoque. Mais de quoi je me mêle? Mais de quoi je me mêle? Ta gueule. Ah! Oui, bah, j'y suis occupé. Merci. Oh! Merci. Je suis un peu loin. Ça a fonctionné, mais je suis un peu loin. Non, laisse-moi passer. Voilà. Pas de la mana. Oh, j'ai esquivé sans bouger, loser! End. Bon, je sais que je devrais aller là-haut. Hein. Je vais aller. Allez, non mais arrête de viser. Voilà, je savais très bien que ça marchait pas. Bon, on peut me laisser partir? J'étais occupée. Il est sorti par la bite. Merci Vlamar. Désolée, je vous lis plus jamais. Tu vas sur un doctorat après? Non. Déjà, ça servira pas à grand chose, à moins qu'on veuille être dans la recherche et tout ça, dans ce domaine-là, dans la communication. Et puis en plus, toute façon, après t'auras juste le message dans les entreprises, vous êtes surqualifiés, vous allez nous coûter trop cher, désolé, à plus, bisous. Donc voilà. Non, non, ma sœur, c'est très très bien. Je crois qu'il faut que j'aille dormir.
Merci à Fernalou. Mince, il va se coucher, j'ai oublié de lui dire bonne nuit. Bisous à Fernalou. Bonne nuit à toi, bon courage pour demain. Éclat de lumière stellaire. Douskaren, c'est un tiers de ce qu'il me vaut pour les vols. Encore ? Attends, tu dois pas être un peu... Tu dois approcher les 20 000 là quand même. Les 20 000, qu'est-ce que je dis ? Un tiers ? Ah non, un tiers, oui, j'étais sur un demi. Moi c'est combien maintenant ? Moi c'est même pas un sixième. Si c'est... Ouais non, même pas je pense maintenant. J'ai fini mon master en 2020. Ouais, avec tout. On ne fait pas confiance. C'est un enfer absurde, le monde du travail. Bah oui, parce que tu n'as pas d'expérience. C'est... Il faut que tu... Voilà. C'est bien beau, hein, les diplômes. Mais si t'as pas d'expérience, tout le monde en a rien à foutre. Parce qu'en plus, tu vas coûter cher. Bon, bah, il n'y a pas de campon, hein. Et du coup, tu t'en sors comment ? Tu t'as trouvé un taf hein, ou alors tu fais peut-être des trucs, un truc essentiellement alimentaire depuis ? En attendant de trouver mieux, peut-être ? T'as bien loup dans les anges, bordel. Oh, ça va ! Mais je cherche un endroit où... respawn ! I've got some priorities. Mais j'étais déjà venue là, c'est ça ? Ouais, j'étais totalement déjà venue là. En fait, là, je crois que j'ai fait trois fois cet arc de cercle. Autour du truc. Mais bon, c'est un petit chemin sympa à faire entre le poison et les mobs. J'y vais. 35K. Ok. Ouais, j'ai plus la notion. Mais en fait, j'ai l'impression d'être dans le meilleur endroit du monde. Moi qui me comprend et que je comprends, je suis dans l'obligation d'aller dans les bois de Morphée. A très vite tout le monde. Des zoubis. Merci vraiment pour le raid. Je passerai aussi dès que je te verrai en live. Peur d'utiliser ma magnifique émote toujours dans le même thème. Voilà. Il est où le loot là? Je ne veux pas chercher. Je cherche assez là. Mais j'ai pas oublié de loot. Tu pètes un câble, mon pauvre garçon. T'es complètement fou. Tu vois, je savais qu'il était là, loot. Je t'avais dit, mais tu me croyais pas. Yes, c'était pas très important, mais quand il y a du loot, faut le prendre. Hein. Pour la blague, il donne plus de crédit à des gens qui ont zéro expérience dans le domaine. Tu vois qu'il y a des gens, on te réunit. Attends, mais pourquoi? Non mais à tous les coups, c'est juste parce que la personne est moins chère. Office spawn, inside the castle. Mais je suis allée dans le castle déjà. Je l'ai pas trouvé. Mais il faut que j'y retourne parce qu'il faut quand même que je récupère mes runes. Puis de toute façon, j'ai pas fini. Mais je suis déjà allée dedans. J'ai déjà fait trop de trucs. Je te jure. La personne coûte trois fois plus cher que moi. Ah non mais là je comprends pas. Là c'est full piston alors. T'es un pote du directeur, un truc comme ça. Et du coup là tu peux pas test parce que y a ce sentiment derrière. Je comprends. Pas tranquille. Je vais les chercher. Là je comprends pas du tout. Il me presta en info et pour avoir de l'expérience qui... Ah oui, pour avoir l'expérience qui manque, d'accord. Je compte pas y rester, j'ai pas la patience. Les boîtes pas misogynes, c'est pas simple à trouver. Ah oui. Ah, dans ce domaine, ça m'étonne moins que dans d'autres, j'avoue. Ah ouais, du coup, tu te... T'as vraiment eu une discrimination à l'embauche comme ça? Tu l'as vraiment vu?
Ah, ça craint. Deux semaines, j'aurais apporté plus que 20 personnes en 6 mois. Mais qu'est-ce qui s'est passé alors? Si en plus t'as des résultats, il y a forcément, forcément une raison, même nulle. Je sais pas. Au bout d'un moment. Il m'est sorti par la bite, celui-là. Merci, c'est Devno. Ou que Devno. Ou que Devnoé. Ou c'est Devnoé. Ou Michel. Merci beaucoup. Bienvenue à toi. Ah! Je crame. Une mana, t'as vu? J'en ai marre. Je sais plus où sont mes... En fait, j'ai fait trop de trucs entre temps. Je sais plus du tout où sont mes runes. Voilà. Voilà, voilà, mais c'est pas grave, on reste positif. Je viens de faire le colonel Eclatax. Le colonel Eclatax de qui? Ça, c'est parce que t'es beaucoup trop fort ou forte. Et quelqu'un de surpuissant. Et puis où sont mes runes hein? Dans le data, c'est un problème commun. Ah oui, d'accord. Ok, ok. Bah, je pense que dans la pharmacie en général, en fait. Bah, bon courage! Non. Je suis montée ou pas? Je monte, j'en ai marre. J'en ai plein de... Voilà. C'est absurde en France. Oui. Bah après, je sais pas si ce car, si c'est pas comme ça aussi dans d'autres pays. Très franchement, moi qui suis en Belgique, je pense que c'est pas ultra différent. Mais effectivement, ce faux problème de constamment dire « Ah non, vous manquez d'expérience !» Mais merde, enfin... Je sais pas. Quand t'arrives dans une nouvelle boîte, de toute façon, il faudra que tu t'habitues. De toute façon, il faudra que t'apprennes. De toute façon, il faudra que tu vois travailler les autres et tout. Enfin, je comprends même... Comment va. Bien sûr, il y a des gens qui ont des expériences très intéressantes. Mais ne pas prendre quelqu'un juste parce que, d'après toi, il a pas assez de quantité d'expérience. Parce que c'est ça, en fait, il faut des années. Genre, voilà, t'as que 6 mois, faudrait 2 ans. Je trouve que ça a pas de sens. La discrimination, c'est un peu compliqué, j'en parlais pas ici. Oui, je comprends. C'est que bah, quand tu m'as dit ça, forcément, ça m'a interpellé. Mais je comprends tout à fait. C'est juste que ça dégoûte de savoir ça, quoi. Non, mais t'as raté! Oh, j'ai raté, mais c'est ta faute. La manette. Pourquoi j'y vise pas aussi? J'ai la flemme d'appuyer sur un bouton. J'ai des éclats de verre, ça c'est bien de risquer de tomber pour des putains d'éclats de verre. Ah, je cherche. Et bim hein. Une belle armure, je peux avoir un morceau? Non? Bah, tiens. Voilà. Ça fait longtemps que j'avais pas de teabag un ennemi. Oh! Waouh! Oh, cette ambiance par contre! Hôtesse de Valkyrie. C'est quoi? C'est quoi comme objet? Qu'est-ce que j'en fais? C'est quel type d'objet? Ça pas d'une armure. Une prothèse. Ah, peut-être. J'aurais qu'un bras. Peut-être pas le. Plus adéquat quand on en a deux de base. C'est un talisman peut-être. Attendez, je vais voir les talismans. Quand je me souviendrai comment regarder. Pas du tout. Je sais pas ce que c'est, on verra ça plus tard. Ouais, tu peux mentir sur le CV, ça passe. Mais de toute façon, t'es obligé, hein. Après, bah, dans certaines professions, il y aura des vérifications. Mais en fait, j'en avais parlé avec un... Avec...
avec une personne qui était cadre justement, enfin même plus, enfin cadre ça se dit même pas, manager, même plus, je sais plus ce qu'il faisait, mais en tout cas il devait justement dans la boîte où il était se charger des embauches, et il disait que, en fait on sait très bien que de base les gens grossissent les chiffres et tout ça, et du coup si tu le fais pas, vu que les gens penseront que t'as grossi déjà les chiffres, et ben ils se diront, attends c'est maxi, enfin voilà, en grossissant les chiffres ça donne que ça en année d'expérience ou ça donne que ça en truc, et du coup bah voilà, faut pas être ce que lui-même me disait. Il faut forcément pas être ridicule dans la manière de grossir les chiffres en mode mettre des trucs complètement aberrants, mais en fait faut le faire un peu, parce que de toute façon la personne qui qui sera en face de toi à l'entretien pensera que tu l'as fait. Parce que c'est... Voilà, tout le monde le fait, quoi. Mmh. 90 heures par semaine ou des trucs... Ah, punaise. Ah oui, quand même. Je connais 6 000 domaines dans 4 ans de pratique. Ok, je comprends. Ah, enfin ! Objet clé, je crois. Ah, je vais aller voir. C'est pour un PNJ. Ah ouais, c'est un objet de quête en gros. J'ai pas dû rencontrer le PNJ encore, en question. Ah ! Ok. J'ai vite fait. Mais j'ai lu. Je me parle à moi-même aussi. Non mais effectivement, c'est juste que... Voilà, je me dites pas forcément tout. Mais c'est gentil de répondre. Après, parfois, c'est un peu des questions que je me pose à moi aussi, mais... Mais voilà. Ils ok après sur ce jeu, moi le backseat me dérange pas trop, mais je veux pas qu'on me dise tout forcément, je veux découvrir des trucs. Après, sur un jeu comme ça, sans le backseat, j'aurais tellement pas avancé que bon. Obligé de reconnaître quand même. Arrête! Stop! J'ai pas de recul, tu m'énerves! Mais d'où ça passe à travers? Vous avez vu, ça passe à travers? Je déteste. Toi la cacher dans ton coin. On va pas rentrer dans le grand bâtiment. On va s'y peut-être après. Manuel du parfumeur. Va falloir que je regarde un petit peu ce que je peux crafter maintenant, parce que ça fait à peu près 20 ans que j'ai pas regardé et j'ai sûrement pas mal de nouveaux trucs, mais j'en sais rien. Ah ouais, là-bas il y a des loot et tout. Mais ça a l'air d'être un truc immense en fait. J'ai pas prévu un truc aussi immense. Je peux monter là? Je peux monter là? Je peux monter là? Je peux monter là? Je peux pas monter là. Pourtant je serais bien descendu après. Mais du coup, comment j'accède à la suite? Ah! Les échelles, c'est trop long, mais il faut vraiment que je me force à les prendre quand même. Ouais! Oh, mais il est pas mort. Et puis à chaque fois aussi, de galérer des fois à récupérer des tout petits loups de merde. Tu vas avoir 5 mobs autour. Tu vois, en fait, t'as récupéré un bout de viande. J'avoue que ça fout le seum. Arrête! Arrête! Et quoi? J'ai pas le temps de comprendre. Les physiques, ça marche à votre avis? Les attaques physiques? Arrête, j'arrive pas à les viser. Alors, vise les... Je t'en supplie. Merci. Mes deux... Deux de mes balls se sont fait éclater sur le côté, c'était un peu ridicule. Franchement, j'aime pas prendre de risques. Parfois, c'est chiant.
Mais bordel, j'ai jamais de loot alors qu'ils ont des armures trop belles. Tu me gnaques. C'est quoi en bas? Oh, c'est un cavalier avec un cheval, mais ils sont tous les deux un peu bizarres. Oh, d'accord. Moi, j'ai commencé à crafter des trucs aussi. J'avoue que je pense jamais à m'en servir. Mais oui, c'est ça! Moi, là, c'est l'une des rares fois tout à l'heure que je l'ai fait. C'est l'une des très rares fois que j'ai utilisé un truc que j'avais crafté. Ah! J'ai un peu peur. J'ai un peu éclaté. Chapeau d'aristocrate. J'en ai quelques-uns. Hein. Tiens! C'est sympa cette ambiance avec toutes les statues. Bon, qui. Sont quand même flippantes, mais c'est stylax. Faut que j'arrête de faire ce sort là tout le temps sur des mobs pourris parce qu'en fait j'utilise la mana à chaque fois. C'est pas très nécessaire. Easy! Et loot toujours rien. Juste savoir si ça rebondissait dessus, comme sur la pierre normalement, mais non, que nenni. Un ascenseur. Il monte ou il descend? Il monte. L'ambiance est folle, oui. Et oui, les anges pleureurs. Même si je... J'ai jamais regardé Dr. Who. Je connais cet épisode. Il est devenu très très emblématique. Et apparemment, il a inspiré beaucoup de gens. Enfin, je sais pas si ça a forcément inspiré des devs ou des réalisateurs. Mais en tout cas, on croise dans la pop culture pas mal d'ennemis qui ressemblent à ça. C'est que des statues féminines avec des longues robes. Ça a l'air triste. Ok. Je vais prendre ça. Je vais pas reprendre ma vie maintenant, mais je vais prendre ça. Let's go! Je suis tombée. Rien à battre. Ah, il ressemble à Ganon! Enfin, c'est qu'il y a du rouge autour de lui, alors du coup, ça me fait penser à Ganon. Il m'a éclaté! Ça va être compliqué là d'utiliser mes sorts parce qu'on a très peu de recul. Il y a une statue pour respawn. Ne vous inquiétez pas. Il y avait une. Ah, mais je connais ceci. Oui, d'accord. Je vois très bien, c'est comme les. Ils font penser au. Comment ils s'appellent? Ah, je sais plus, ceux qui donnent les perles. Les pères cinéraires, là. Non, c'est plus enduit, elle revient dans ta gueule. Tout à fait, tout à fait. Ouais, le même pattern que les chasseurs, c'est ça, les chasseurs de pères cinéraires, tout à fait. Je vais prendre ça, du coup. On va y arriver. Sans NG, cette fois. C'est que c'est moins dangereux. Et oui, j'ai l'impression aussi. Non, j'ai pas récupéré. Non. Mauvais. Putain, j'ai pas le temps de boire ma popo, c'est affreux. Non mais ça va, à chaque fois j'utilise beaucoup de vie.
Enfin, j'utilise aucune... Ça veut rien dire du tout. À chaque fois, je lui fais perdre un peu plus de vie. Voilà. Mais punaise, j'ai même pas le temps de prendre popo. On invoque, ça va passer. Non, mais ça va. On les invoque vraiment si je galère, mais je considère que ça va, là. Non, j'aurais pas dû faire ça. Il en fait ça, il en fait 4 ou 5 quoi, please. Je connais pas. Ah, j'ai grid. La gridance. En lutel, vu qu'il est amélioré, il va tanker. Oui, oui, oui. Mais ça va. C'est ça qu'on me conseille alors que j'ai amélioré ça avant Avoc qu'elle meurt en 2 secondes. Mais oui, mais il faut que tu le fasses. T'ai dit ça tout à l'heure. Faut vraiment là. Franchement, j'ai vu une grosse différence. Surtout que du coup, tu dois avoir accumulé plein de compos pour les améliorer. Use the compose. Non, mais j'ai pas besoin. Voilà. Mais tu es un couillon avec ça. Mais oui, pourquoi t'y vas pas? Toi qui me dis tout le temps, tu vas pas assez à la table ronde faire tes trucs, améliorer tes trucs et tout. Vas-y, va le faire. Fais-le maintenant. Pourquoi tu le fais pas? Pourquoi tu le fais pas? C'est pas si facile de faire comprendre le pattern. Oui, bah y a ça aussi, hein, je comprends. Je le vise pas alors c'est chiant. Ah, je mets trop de temps. Mais je peux y arriver, c'est juste qu'il me fait tellement mal, j'ai tellement pas le temps. Mais on va y arriver, on va y arriver. Franchement là ça va. Je pense que ça va. Ouais, ça commence à me faire un peu mal aux oreilles, mais... Les trucs, je vais mettre mes cheveux en coussin. Voilà. Alors déjà, je prends ça. Ensuite, je fais ça. Mais j'ai pas le choix, sinon je les prends pas mes runes. Non, il va me défoncer. Je vise pas. Et là, c'est très chiant là. Non, il va me faire chaud. Non. Là, c'est mort, par contre. Il arrive de mieux en mieux. Ça va le faire, ça va le faire. C'est pas ce que je fais. J'ai peur d'améliorer le mauvais. Mais t'inquiète, de toute façon, c'est comme les armes, hein.
Tu retrouveras des compos. Moi, bah, j'en ai amélioré une, et puis j'ai fini par totalement en améliorer une autre, et puis c'est pas très grave, quoi. J'aime bien le multi-cible, perso. Et après, sinon, si t'as une élite, bah, apparemment, c'est forcément le bon plan de l'améliorer, quoi. Voilà. Je savais pas ce qu'il allait faire. La chance. Non. C'est grid. Yes. Trop de biceps. Oui. Et pas d'exécution des tourbiers. Pas voir les ronces. Il n'y a rien à battre, j'ai juste battu. GG, merci! Je suis fort touchée et émue. Par mon propre talent. Gaming Game, on peut pas en acheter comme les pierres? Je sais pas. Si, je crois, si, si! Si, si, je crois, hein. Et puis ça se loot, ça se trouve dans les grottes et tout. Dans les catacombes, tout ça, tout ça. Mais coucou, salut Toons. Alors ton stream s'est bien passé? Ah bah non, t'as peut-être pas stream ce soir, j'ai pas fait attention. Je sais que tu as stream cet après-midi. Y'a pas d'autre passage, par hasard. Trop stylé. Si j'avais... Eh, si j'avais un beau casque, je pourrais faire ce cosplay. Avec des ailes, comme les albatros. On fait chier ces tables. Les chaises aussi. Voilà, et voilà, mon jeu est freeze, c'est pas super. Je teste, hein. En vrai, c'est surtout pour tester. Puis, il y a des passages secrets dans les murs, bien sûr. Hein. Pas juste par pur plaisir de destruction, je ne suis pas ibuéril. Ça me crame si je vais là? Non. Je ne suis pas ibuéril. Voilà. C'est bon, il n'y a pas de passage secret, je pense. Cet après-midi, je préfère pas en parler. Oui, oui. Il ne s'est rien passé. Ah ! Oh la vache ! Dégage ! Non mais stop ! Mais hey, je suis pas prête ! Ils vont me buter. Mais... Oh la vache ! Ça m'énerve beaucoup ! Ça m'énerve beaucoup ! Ça m'énerve beaucoup, beaucoup! J'ai un peu cafouillé sur mes armes, et du coup, maintenant, ça fait des jours que je m'emmerde parce que je trouve pas le pierre 4. Ouais, mais ça, tu l'as de toute façon, même quand tu fais pas nawak, hein. Faut que tu saches exactement quoi améliorer, exactement quand. Mais tu l'as quand même. Sinon, hein. Bah tu peux la partager si t'as envie, petit Toons. Peut-être pas la regarder tout de suite, mais pourquoi pas. Non, non, va te faire...
C'est fini, oui. Je vous déteste. Oh, je me suis fait accueillir. Voilà. J'ai 44 000 quand même, hein. C'est pas... Alors, il me faut 60... plus de 60 000, je crois, mais c'est déjà bien. Ah. Ah oui, d'accord. Quoi? J'ai entendu. Je commence pas. On va tester, quand même. Juste pour la science. Tout à fait! Pas du tout voulu faire ça. Allez, tire le levier! Moi j'ai mis à 3 armes en même temps. Donc j'ai gâché. Bah moi j'ai amélioré d'autres armes, mais bon, j'en avais besoin à ce moment-là, tu vois. Du coup, je me dis oui, c'était peut-être pas les plus optis au final. Mais mais il faut bien. Voilà! Faut bien avoir des bonnes armes à un moment, quoi. Faire avec ce qu'on a. Sinon, bah, tu te spoiles tout le temps où trouver les bonnes armes et tout. C'est vrai que pour mon mobile, bah, mon copain n'arrêtait pas à me dire faut bien qu'on voit des trucs et tout, on peut améliorer des trucs. Donc au bout d'un moment, j'ai dit ok, d'accord, montre-moi. Pourquoi je le fais comme ça? Mais sinon... c'est normal de pas tout améliorer ce qu'il faut forcément au bon moment. C'est pas grave. Surtout qu'encore une fois, ça n'empêche pas de galérer sur les pierres, je pense. Une pierre, c'est une pierre, pierre. Je vais encore me faire latter la tronche. Ouais, ouais, t'as bien fait, je pense, hein, Sam. Parce que j'en ai raté plein, mais oui, mais ça, bon. Voilà. Pas trop mal. Pas trop mal! À cause d'un putain de kleps. J'aime pas pourquoi je reviens là du coup. T'en fous non? Oh j'ai trop la rage. Seum quoi. Mène-toi. Putain de clébard à la con. Ta gueule toi. Ils vont le refaire hein. Je peux pas bouger. C'est pas bouger. Oh putain. Ah c'est incroyable. On te coince dans un coin. Et voilà, c'est juste tu es un punching ball. J'ai envie de dire des mots tellement horribles. Et de bouffer ma manette. Mais je le ferai pas. Évidemment. Et voilà, il me latte la gueule. Mais c'est terrible! Je n'arrive à rien!
ça pourquoi? Ça me sert à rien de revenir ici, je voulais juste vérifier si j'avais rien oublié, mais je pense que j'ai rien oublié. Ouais, d'accord. Je suis saoulée un petit peu! Je vais pleurer. Tu loues rien toi non plus, hein? Non, non! Ah oui, je voulais descendre. C'était ça que je voulais faire. On va voir si on peut descendre! On peut pas. Par où je pourrais descendre? Ah! Oui, bien sûr, je joue à ça. Mais vous êtes fous, hein? J'aime pas vraiment cheval. Non, non, mais c'est pas ça. Pas possible. C'est pas ce petit chemin de merde, là. Hein? Rassurez-moi. Non, non, non. Il y a un autre chemin, c'est sûr. Toi, dégage. J'ai entendu. J'ai entendu du bruit. Il faut que je passe par les toits là-bas, mais je ne sais pas comment. Ça menait où ça? J'ai déjà oublié. Un sous-niveau de pont? Je sais pas. On voit d'ici? Mais c'est pas là. Ah, j'ai mal. Bon, je sais pas comment passer par là. Mais vas-y, frise bien comme il faut. Non, hein. Enfin, pas comme ça en tout cas. Faut que je trouve la suite. Moi je suis arrivée ici déjà. Ah oui là-bas, on va voir. Je vous éclate! Ah mais je suis pas passée ici. Non je crois pas hein. Si, bah si, mais j'ai pas fait le tour en fait. J'ai pas bien visité. Et voilà. Mais non. Là d'où je viens, il faut que j'aille de l'autre côté, tout simplement. Pétez les noix, les dogos. Mais ouais, ils sont trop insupportables! J'ai raté. Ah, ça, j'avais lu. Et du coup, c'est derrière. Pour un moment de passer, mais comment, mais comment, mais comment, comment je peux passer? Je suis descendue un peu vite. Je m'impatiente un petit peu. Ouais, vas-y, vas-y. Je vais faire un peu le tour ici. Alors, le tour, pas mille trucs à faire en fait. Je mouline n'importe comment, mais tant que je les bute, ça m'en fout. Mmh.
Du coup, faut que j'aille sur ma gauche, là. Alors, comment je pourrais... Oui, il y a un passage, là, mais tout simplement. Mais enfin, j'avais pas vu. Bon, dis donc. Ok. Allez, voilà. Finalement, je préfère viser l'autre, là, qui vient de te spawn. Non, pas ça. Je vais viser ça. J'essaye, mais... Non, ça va m'empoisonner. J'arrive pas à le viser. Il veut pas le viser, j'en ai marre. Ah! Eh oh, ça va, hein? J'en ai plein le derf, ok. C'est n'importe quoi. Je déteste. Je trouve que c'est... Y'a rien de plus énervant que d'avoir des mobs qui t'enchaînent sans aucun répit. Et de savoir que de toute façon c'est mort. Et juste... T'es là. Désolé, hein. T'es leur petite te pue à ce moment-là, quoi. Hein. Y'a pas d'autre mot, hein. Et je déteste ça. Mais arrête de viser ce connard! J'en peux plus, je vais péter un câble. Il vise constamment celui que je veux pas? Côté du site, mais je déteste en fait le monde. C'est ça qui est grave. Ils ont éclaté mon écran! Ça ne s'arrête jamais. Voilà, merci de viser celui dont j'en ai rien à foutre. Tu es fantastique le jeu. Tu stun à peu près 48 minutes, pas facile. Pour des mobs que je peux tuer super facilement en plus. Et juste, il me saute dessus à 15. Et tout ça pour un truc que je n'utiliserai jamais. Jamais. C'est beaucoup trop d'emmerdement pour rien. Je dis stop. Oui, non, mais je voulais. En fait, j'ai eu peur de tomber du coup. Je me suis arrêtée au dernier moment. Pas aller tout de suite. Pas aller tout de suite. Il trouve du muguet. Mais je peux pas, je peux rien faire, je suis coincé dans lui. Je peux pas descendre, hein. J'essaie de descendre, il veut pas. Mais je déteste la vie. Je me suis fait éclater par le PNJ. Mais dégage là, tu me gênes. Mais ma chemise elle est coincée. Je pouvais pas redescendre. T'appelais aussi mais je pouvais rien faire. J'essaie juste de descendre. Il faisait rien. Mon perso faisait rien. Je vais te tabasser dans l'escalier. D'accord, je savais pas. En tout cas, je voulais juste partir et j'y arrivais pas.
Non, pas lui. Arrête de viser les autres, en fait. Je vais vraiment en avoir un petit peu marre. Du coup, je fais comment s'il y a un mob là-haut ? C'est un peu difficile à gérer pour moi, j'avoue. J'avoue. Mais c'est... Eh, je truc ! Mais il est où ? De Miranda. Non. Cool. Flacon de parfum. Eh bah c'est super! J'ai découvert ça cet après-midi. Ouais, je savais pas du tout qu'on pouvait tabasser dans l'escalier. Au poing ou au pied, ok. Coup de tonnerre, ça fait vibrer mon appart. Ah ouais, c'est violent! Ça va arriver chez WAM bientôt. Alors, on en est où? On en est à boire ça. On en est à aller par là. Même si je sais pas pourquoi. Ah si, il y a un truc. Bon, on y va. Allez. Ah, oh, sérieux. Je me prends pas la tête. Ok, oui, le... Comment j'accède au feu? Il était au-dessus, là? Bon, ça va, c'est juste comme ça, ça va. Non, qu'est-ce que... Tu te mets au jeu de mots, ça? Quel filou. Faut que j'arrête de faire ça. Moi, l'orage, quand j'étais petite, ça me faisait peur. Du coup, bah, maintenant, ça me fait pas peur. Mais je m'en méfie. Quand je suis en extérieur, évidemment. En intérieur, bon. Et je savais pas. Mais quand t'as la fenêtre ouverte... Attends, c'était quoi? C'est possible d'avoir carrément, si l'éclair tape sur ta maison ou très très proche... que ça fasse limite, que ça passe par la, par ta fenêtre si t'as une autre fenêtre ouverte de l'autre côté, genre t'as un... Il y a moyen de communiquer. Un truc comme ça. Non, 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 ils font trop mal. Heureusement je les éclate, mais punaise, tout le monde m'éclate à la queue leu leu. Y'a quoi là? Ça d'où je viens? Je vais de l'autre côté.
toi, je m'en fous, je te marave avec des petits sorts. Loot pas, hein. Non, vas-y, continue à pas looter. Oh, mais c'est des loots, ça. Je m'en fous, je pars vite. J'éclate vert. Non, j'ai roulé. J'ai pas fait exprès, en fait, je fais juste B pour que ça désaffiche ce qui m'emmerde. Mais ça désaffiche pas. J'ai raté. J'ai raté. Faut que j'arrête. J'ai raté. Non, je vais mourir. C'est pas grave, j'ai mes petites pouboules. Granatec de boulettes. Ça m'énerve de gaspiller des sorts. Voilà. Au moins, quand tu vises pas, tes sorts ils sont pas cons. Ils se dirigent quand même vers la créature que tu regardes. À l'épée, c'est pas pareil, hein. Oh non, un escalier là, j'avais pas vu. Moi, je peux pas y aller. Tu te moques de moi, le jeu. Du champion, je sais pas ce qui se passe avec ces tableaux, pas du tout. Ah, je suis toute verte, c'est un peu stylé quand même. Dégoûté. Je l'ai trop spammé, rien à battre. Ouais bah oui, j'avais pas vu l'escalier en dessous, hein, j'avoue. Complètement rien vu, moi. Même pas rien vu, la meuf. Bon. Je commence à avoir fait le tour, là, je pense, quand même. Mange vache. Là, ce truc m'a saoulé. Oh. Bah, j'ai pas du tout fait le tour. D'accord que je peux monter là. Non. Oh, on aurait trop dit. On aurait trop dit que je pouvais monter. Ah oh, mais non, mais pas du tout. On aurait trop dit, hein. Ah, m'énerve. Pas fini. Et ça me saoule. Si tu vas pas me parler d'une boucle d'éclair dans ton appart. Ah non, moi j'ai jamais eu ça. Ah, on dit ça tout à l'heure. Elle a fermé de peur qu'éclair rentre chez elle. Et moi tout est toujours ouvert. C'est plus si beau, hein, en vrai. Il y a un truc tout en haut. Bah oui, il y a des papillons, donc ça veut dire que je peux monter. Mais je sais pas comment. Alors que je trouve... Mais là, tout de suite, j'en ai un peu marre. de ce truc. Ouais.
Ouais, je suis pas du tout allée au sommet. Je suis montée, mais pas au sommet. Quoique, attendez. Porte intérieure, j'allais dans la porte intérieure. Signe d'un passage qu'on n'a pas vu. Et ouais, j'avoue. T'as trop raison. Vous êtes en haut. Je crois que c'est demeure du Châtelain, le checkpoint qui est là-haut. Plutôt que de se taper l'ascenseur. Ah oui, du coup tout en haut de la tour c'est ici. Oui voilà, c'est là qu'on n'a pas réussi à aller encore. Ah mais c'est via... Ok, c'est via ce truc. Mais comment je monte là? En vrai je sais pas comment monter. Je vois. Je crois qu'on a la flotte qui était chez Diox tout à l'heure. Toute la flotte de la Bretagne. À venir par arriver chez vous d'ici demain. Ouais, je pense tout à fait, ouais. Une petite échelle. Tindé. Ah mais je peux passer par là tout simplement. Bah voilà. Ah mais non mais ça me mène juste là. Est-ce que j'en ai marre? Oui mais non mais c'est pas là. J'ai confondu en fait. Ah bah si, c'est pour monter là-bas. Mais faut que j'accède en haut, que je fasse tomber. Donc toi. Oh non, mais tout le monde s'y met là, c'est bon. Et où l'autre? Ah, tu vises pas assez haut, mec. Moi, je vise assez bas, par contre. Ce heal en plus, ce petit schnappant. La looted. Donc faut que je trouve un moyen d'aller en haut. Bah, ça va être chiant parce que j'ai pas mis le passage. Hein. Et puis l'échelle pas déployée. Bah j'avais vu l'échelle en fait d'en haut, mais je pensais qu'elle était déployée. Je suis un peu déçue, j'avoue. Oui, oui, c'est vrai. La continuité. D'abord la Bretagne, puis Paris, puis la Belgique. Voilà quoi! Le trio de la pluie. Rappelle-toi. Encore le réflexe de changer d'arme alors que j'ai pas besoin. Oh, je peux pas passer là. Non, je peux pas. Non. Bah l'échelle pas déployée, elle va m'emmerder, non? Elle est top pour limiter justement au poison. Ah, ok. Good to know.
très risqué. J'en suis consciente. Voilà. Ah, peut-être ici. Attendez, regardez un petit peu mieux. Même on voit rien. Non. Ah, ça m'énerve là, le petit passage. On va voir par là. J'avais pas trop vu de suite ici, mais je crois que c'était le vide. Vas-y. Ouais, je suis pas au bon endroit du tout. C'est pas là-bas. Enfin, c'est pas là, c'est plutôt là-bas. Ok, je vais voir là. Ow ! Bâtard ! Il y a une statue juste là. C'est là que je veux passer, moi. Et t'as pas beaucoup de recul pour un archer, hein? Nulose, va. Il y a les chiens, je me rappelle des chiens, je me rappelle très bien. Il est pas mort. Il va bien me taper. J'en peux plus, c'est que le bord. Oh, on va avoir des immunités aux chiens. Et puis du coup quand je vais descendre ça va être chiant, ça va être chiant, ça va être chiant, ça va être chiant, ça va être chiant. Courage, courage. Allez, j'attends, hein, voilà. Il y avait encore un, je crois. Serait-il pas celle-là? Je sais pas. En tout cas... Non mais sérieux? Comment j'ai pu rater? J'ai fait un énorme coup, c'est passé sur lui, elle ne l'a pas tué. Pourquoi? Je ne sais pas. Ah mais ça me fait apparaître là, mais je m'en fous de ça. Non? Je m'en fous pas? Bah si, si, ça me fait apparaître là, mais on s'en fout. Ça a quelque chose? Non. Ça me sert à de raccourci, ok, mais en vrai, non. Je pensais que... Je pensais des trucs. Mais bref, on est à côté, donc ça doit être dans le coin. Imagine. C'est une porte dérobée genre ici. Non. Ah, c'est par ici, hein. Mais bon. Bah c'est pas...
C'est ça qui nous permettra d'accéder au toit. Mais en même temps, bon, je sais pas... En fait, il y a juste ce petit coin là. Bah non, mais j'y suis déjà allée. Ah non. En fait, je sais pas... Je sais pas si vraiment on peut monter. On dirait qu'il n'y a pas de porte. Bon, ça m'étonne qu'il y ait ça, j'avoue. Mais je commence à me demander si c'est pas juste esthétique et en même temps c'est fait pour attirer l'œil. Alors je sais pas. Parce qu'en bas on voit pas de porte pour monter. Je suis un peu mitigée. On voit pas d'accès au-dessus. Genre faudrait que je tombe directement dessus quoi. C'est bien cette tour, ouais, c'est bien cette tour. Après, je me demande, je réfléchis à ça, mais peut-être qu'il y a un portail qui mène à cet endroit-là. Peut-être, hein. Pour récupérer ces petits papillons. Je dis ça sans... Voilà, sans être sûr du tout, mais... Mais je sais pas, ça me semble pas impossible parce que c'est bizarre. C'est vrai que les tours, elles ont pas de porte pour certaines. Yeah. Comme celle-là, quoi. Celle-là, on remarque qu'on y accède pas en haut. Et les portes, on va savoir. Mais juste pour les papillons? J'avoue, ça me semble bizarre aussi, mais bon. Certains téléports qui sont pas exceptionnels non plus, hein, mais... Ça pourrait expliquer en tout cas si c'est un téléport, quoi. C'est forcément fait pour faire péter un câble aux joies. Oh, il y a un loot là-bas. Ça me paraît évident. Peut-être mettre juste un petit point ici, puis voir, hein. Prendre des trucs au pied, hein. Il n'y a vraiment pas grand chose. Lui, pas. Non. C'est quoi là-haut, j'y suis allée? Peut-être. Hé, je suis bien avancée sur le jeu. Difficile de m'en rendre compte, mais je suis bien... Je dois être niveau 100. Donc ouais. Mais j'avance très lentement. Donc, en vrai, par rapport à un niveau 100 classique, je suis moins avancée, je pense. Voilà. C'est très difficile de répondre parce que je ne me rends pas compte de la durée du jeu. J'ai compris qu'il était très long. Et voilà. Je sais pas plus. Ah, qu'il est long. Du coup, salut Riven. Elle dit bonjour. Arrêtez de viser vos entrailles sur moi, ça me stresse un peu. Il y en a un qui est juste à côté de moi. Il est où celui qui... Putain, il est là. Allez. Allez, on remonte, hein. Je me sens pas très à l'aise, là, dans du vomi. Je m'en vais. Ça
c'était tombe. Bah, je peux en monter maintenant. Descendu sans réfléchir, voilà. Oh non ! Il réapparaît, c'est pas possible. Ah non, mais il se relève en fait. Mais oui, il se relève. Ça a l'air particulièrement horrible. Et c'est comme ça que j'étais arrivée ici. Ok. J'avais pas bien looté alors. Ok. Ouais, je peux aller encore là-bas. On y va. On va pas dû en faire deux. Mais il m'énerve, voilà, il fait tout à travers les murs lui, et puis moi je peux pas le viser. Ça rend dingue. Voilà. Tricheur. Non, allez, vite. J'ai de plus en plus gens à explorer toutes ces ruines. Mais ouais! Je pensais pas passer toute la soirée dessus, quoi. Quasiment. Je suis allée en plein dessus. Non. Arrête. De vivre. Et oui, je suis pas allée là, moi. Alors, il y a un mob, donc on va reprendre la vie. Alors, je peux descendre là, mais pour le moment, on va pas le faire. Et du coup, il y a ici. Allez, on arrête de mouliner, hein. Pas beaucoup de mana donc Non. Voilà. Tant pis. Pas beaucoup de mana. C'est d'autres parties des ruines. J'ai pas l'endurance, moi. J'ai pas l'endurance pour tout ça. Oh, mais comme d'hab, je fais les mêmes erreurs. Oh, un loot. Entre des nobles. Putréfaction. Ok. Ah mais c'est déjà venu là. Il reste tout ça à explorer. Non mais je sais pas. En vrai je sais pas parce qu'en fait je suis déjà venu là. Donc peut-être pas. Peut-être pas, peut-être pas. J'avoue que... Je sais pas si on fera ce soir. Non mais je suis déjà venu là par l'échelle en fait. Non, c'est pas... J'ai déjà exploré tout ça en fait.
D'ailleurs, on voit rien qui brille. Je suis venu par l'échelle. Et je l'ai déjà battu, le gars. C'est juste que bah, j'étais allé directement à gauche. Et j'avais pas fait le côté droit. Et en fait, bah, ça fait voilà, ça fait une boucle, quoi. Donc non. En fait, c'est bon. C'est un talisman qui... refile de la mana au fur et à mesure. Je sais pas. Je vais regarder dans ce que j'ai. Peut-être celui-là. Non. La résistance. Ah, par contre, il y a des trucs pour l'immunité. Il y a un truc qui fait que tes PC... enfin, dans ce que j'ai, hein. Quand tu le prends, tes PC rendus sont... t'as plus de PC rendus, plutôt. On va dire ça comme ça. Coup critique rend des points de combat. Et voilà. Il s'enlève. Il y en a peut-être un. En vrai, ça ne m'étonnerait pas, parce qu'il y en a un qui rend de la vie. Donc, il y en a un qui doit rendre forcément les PC, je pense. Mais je l'ai pas, moi. Un squelette de tension. Mais c'est des sortes de zombies plutôt, hein, donc ouais, ils sont assez... pas sûr... je sais pas si je suis bien allé là, donc j'y vais, on va voir. Oh non! Oh les lags, eh, franchement ça commence vraiment à me saouler ce soir. Ouais, y'a rien. J'ai déjà dû y aller. Et la plante qui fait chier. Ah bah c'est peut-être même pas là que je suis montée. Maintenant que j'y pense. Ouais, il y avait un loot là-bas. Ok, non mais en fait on connaît ici, on connaît. Is ok. Est-ce que je connais là-bas juste? Je me rappelle pas d'avoir emprunté un petit truc comme ça, mais je vais quand même... voilà. Allez, cours. On va faire un bon tour là, hein. Moi j'ai tout vérifié, hein. Non, ce serait bien de... voilà, faut que je regarde en fait. Voilà. Voilà, allez, c'est bon. C'est bon, on a fini. Allez, on a fini. On dit on a fini. Je peux pas me TP. Pourquoi je peux pas me TP? J'ai fait tous les mobs en fait. J'ai fait tous les mobs. C'est bon. Laisse-moi tranquille. Comme ça, je me tire à pied, c'est pas grave. C'est pas grave. Un fiole de mana, mais c'est pas génial non plus. De trouver des graines dorées là.
Ouais, moi c'est vrai que j'ai réparti, j'ai mis beaucoup de vie, il faut que j'en mette un peu en mana, c'était à cause d'un mob que je devais faire, je sais plus lequel c'était, mais j'utilisais peu la magie, donc j'avais pas besoin de beaucoup de magie. Ou non, c'était aussi à cause de la zone de corruption là. Pas de corruption, de je ne sais plus, très faction. Mais du coup... Voilà. Mais du coup, depuis, j'ai pas bien réparti mes fioles, faut que j'en remette un petit peu plus en PC. Je viens de découvrir que quand il te gerbe pas dessus avec les bras tendus, il s'ouvre la poitrine. Ah ouais, t'as pas fait gaffe, ouais, il s'ouvre la poitrine et en fait ça gerbe directement sur toi. La classe. Ah là là, bon. Écoutez les petits loups, ça va être bien, je vais déjà arrêter la VOD. Bisous VOD, faut pas que je me trompe, arrêtez l'enregistrement, c'est ça. Bisous VOD. Voilà.